Bon, ici, je vais amener les autres images par la manière habituelle, fichier importé dans InDesign. On n'a pas énormément d'images différentes, mais c'est pas grave. Voilà, et je vais aller les déposer. J'y retourne encore une fois. S'il y a une image que vous ne voulez pas voir, il va falloir la supprimer. Avec la flèche noire, vous cliquez sur le rond au centre ou alors vous prenez la flèche blanche directement. Touche suppression, le bloc est resté. Vous allez pouvoir aller chercher une autre image et importer dedans.